Son nom fait les gros titres depuis plusieurs jours. Selon la journaliste britannique Nicole Clifford, Rosanbury, marquise de Cholmondeley, aurait été la maîtresse du prince William, et apparemment, dans l'establishment, c'était un secret de polichinelle. Dans une longue discussion postée sur Twitter, elle explique que le marquis et la marquise de Cholmondeley, proches du prince William et Kate Middleton, auraient récemment été écartés de toutes les mondanités. Et alors que Lawson a écrit un article à ce sujet, le journal a reçu un avertissement de la part du palais de Kensington, qui leur aurait demandé de ne pas en parler, rapporte-t-elle. Comme toujours, dans la famille royale, on ne commente pas la vie privée des membres, never explain, never complain. Enfin, elle précise que c'est la marquise elle-même qui aurait raconté les dessous de sa liaison à ses proches. Mais aucune information officielle ne vient confirmer le dire de la journaliste. Mais qu'est donc cette prétendue maîtresse? Ancien mannequin, Rosanbury, 35 ans, a épousé en 2009 le marquis de Cholmondeley, de 23 ans son ami. Mais la marquise était déjà bien infiltrée auprès de la famille royale, puisque sa grand-mère était demoiselle d'honneur au mariage de la reine d'Angleterre, en 1947. Rose et David de Cholmondeley ont deux enfants, le comte Alexander et Lord Oliver, des jumeaux nés prématurément en 2009, ainsi qu'une fille, Lady Iris, née en 2016. Le couple réside dans un château situé dans le Norfolk, à 5 km seulement de la résidence d'Amenhall, de Willey Cave. D'ailleurs, avant que n'éclate l'affaire, Rosanbury et Kate Middleton étaient très proches et étaient même toutes les deux marraines de l'association Yeezy, qui soutient les familles d'enfants hospitalisés.